Alex, qui va avoir le dernier mot, puisque je viens de dire un paquet de conneries. Oui. C'est celui qui aura la dernière note, surtout. Ah, oui. Il est au bout de ce studio avec sa guitare, monsieur Frédéric Fromet. Bah voilà, donc avant tout, je tenais à tous vous remercier. Vous et les auditeurs, pour tous ces vendredis que nous avons passés ensemble. Oh, ô combien. Oui, car je me dis que peut-être, à l'issue de ce week-end... Oh, combien de plaintes au CSA, Le lundi sous le pen, c'est une chose que l'on aura peut-être fini par Jupiter. Et bienvenue à part Jupiter, et bon voyage aux Belges en charter. Adieu Viso, Van ou Necker, c'est lundi sous le pen. Le lundi sous le pen, youhou! C'est une chose que l'on aura peut-être. C'est pourquoi je m'entraîne à dire du mal des étrangers. Tout est de la faute des immigrés. Plus de foulard et c'est réglé. Lundi sous le pen. Regarde le programme, on pourrait presque y voir la fin du chocolat noir. Mate l'organigramme, il fait peur à voir, comme un détail de l'histoire. Mais c'est fou ce qu'elle est sympa, la nouvelle mère Teresa, la candidate de la douceur avec ses petites croix gammées dans le cœur. Le lundi sous Le Pen, youpi, on pourrait le passer entre nazis à rétablir la gégène en guise de clin d'œil à Jean-Marie. Premier ministre, pourquoi pas lui? Car planqué sous le vernis, Marine est une Le Pen. Le lundi sous Le Pen, c'est une chose que l'on aura peut-être. C'est pourquoi je m'entraîne à dire du bien des héritières qui se la jouent classe populaire. C'est la fifi à son père, la dynastie Le Pen. On dirait le Gude et ses braves militants qui aimeraient sûrement tous nous grands remplacés, voire tous nous déporter. Car le lundi sous Le Pen, c'est une chose qui les fait rêver. Claude François, quelle veine d'avoir foiré l'électricité. Ne pas avoir changé une ampoule préserve de Julien Odoul toute la clique Le Pen. Le lundi sous Le Pen, c'est une chose que l'on aura peut-être. Le lundi sous Le Pen, c'est une chose que l'on veut voir jamais. Frédéric Fromet, merci d'appuyer là où ça fait mal. Bravo, merci Frédéric.